Bonjour et bienvenue sur Scoop. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à la commenter. Une soirée particulièrement riche en émotions pour la jeune femme de 18 ans, frappée par un drame familial il y a quelques mois seulement avant son sacre, qui a donc dédié sa victoire à une personne qui lui était chère. En finale, India Mpo s'est imposée face à la candidate du Nord-Pas-de-Calais, Agathe Coé. Mais la jeune Antillaise n'a jamais été réellement inquiétée. En effet, le cabinet nuancier en charge de comptabiliser les votes a dévoilé sur son site le détail des choix du public. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la nouvelle reine de beauté tricolore a survolé la compétition. Au premier tour, elle est arrivée en tête des votes et du jury et du public, récoltant le score maximum de 30 points. A noter que Miss Martinique a eu énormément de succès auprès du public. Deuxième place d'ailleurs, Indira Impio, mais n'a pas terminé qu'à la 7e place du classement du jury. Histoire inversée pour Miss Côte d'Azur qui a raté la finale, malgré une 3e place au classement du jury. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la commenter.